Ouais, on est plus sur la pomme. Hein. Oui, plus sur la pomme, mmh. Non plus sur ce côté pomme. C'est ça qui ressort le plus des... Enfin, par rapport au mosaque que l'on connaît, on a l'identité. Dire, ah oui, ça c'est un mosaque. Quoi. Que l'autre, on peut te dérouter. Tu peux te dérouter, oui. Mais beau, hein, très très beau. Ça a beaucoup de corps, mais une longueur aussi. Ah ouais, ouais, la longueur là. Plus long que... Ouais, il paraît plus long, ouais. Je veux dire, non, enfin... Attends, je goûte plus. Je suis en train de réfléchir au bonhomme qui goûte ce qu'il fait. C'est... Il doit turbiner dans sa tête hein, quand il goûte le vin de... Bon, et encore là, les vins ils sont presque finis, mais quand ils les goûtent, quand ils sont tout au début, pour imaginer ce que ça va être voilà, à la fin. Nous, on est des petits sommeliers, on n'achète jamais que des produits finis. Quoi, je veux dire, le gars qui pense comment adapter tous les assemblages, c'est un maître. Hein, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. Les gens, quand les élèves dégustent, ils posent parfois des questions qui n'est pas de notre sort. Je dis non, on n'est pas au même endroit. Nous, on va parler du vin, il est terminé, il est prêt. Mais avant, c'est un autre métier. Donc. On explique le bonhomme dans un resté là. Oui. Blog. Ça s'écrit comment? BLOC. Regardez mon blog, j'en parle souvent de blog. Parce que pour moi, c'est vraiment un monsieur. Oui, je veux dire, c'est. C'est vrai que c'est impressionnant. Je suis en train de le voir, qu'il y a une goutte, qu'il y a une note, qu'il y a un indice. C'est ce qu'il arrive à analyser la complexité, ce qui manque au vin, ce qu'il doit mettre de l'autre pour donner un compromis. Mais surtout, la force, c'est de pouvoir l'imaginer. Comment ça sera, en faisant ça. Ah, oui, et filtrer, et tout, fini. Enfin, Mais ça, c'est beau. Je veux dire, on a deux styles vraiment différents. Très différents. Et dans une place de dégustation différente aussi. Hein. Dire, l'eau, à la limite, à l'apéritif, c'est le côté très flatteur, floral, justement, en légèreté. Ici, on sent que c'est plus de la gastronomie. Il y a la richesse. Il y a la richesse, quoi. Ouais, ouais. Ce qui est fou, c'est que c'est la même vigne qu'on a vue là-haut et que ça a été vendangé peut-être très proche. C'est fou. Ça fait partie des mystères du vin, c'est.